إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons notre lecture du Coran Karim avec l'explication des sens rapprochés des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes au verset 254 de sourate Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ô vous qui avez cru, donnez en aumône une partie des biens que nous vous avons octroyés avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus ni rachat, ni amitié, ni intercession, ce sont les mécréants qui sont les vrais injustes. Ce verset montre la compassion qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envers ses serviteurs. En effet, il leur ordonne de donner en aumône une partie des biens qu'il leur a octroyés, et non pas la totalité de ces biens-là. Et ceci que ce soit à travers l'aumône obligatoire, ou que ce soit à travers l'aumône facultative, afin qu'ils soient épargnés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette aumône, elle soit une épargne, un bien que la personne devance pour le retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et retrouver une récompense abondante dans l'au-delà. Un jour où ceux qui œuvrent auront besoin ne serait-ce que d'un atome de bien. Or ce jour-là, rien ne pourra s'acheter, rien ne pourra se vendre, rien ne pourra être négocié. Même si l'homme était prêt à offrir la terre entière et tout ce qu'elle contient comme or, comme bien, pour pouvoir se racheter du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci ne sera pas accepté de lui. Ce jour-là, ni vente, ni commerce, ni négociation, ni rachat, ni compagnon, ni ami proche, ni ami intime, ni famille, personne ne pourra l'aider. Aucune de ces personnes lui seront d'un quelconque secours, ni même par l'intercession, ni même par l'influence. Sauf ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala aura permis d'intercéder, une intercession pour honorer l'intercesseur et une miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour la personne pour qui on intercède, à condition qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée cette personne. Effectivement, l'intercession ne peut se produire que par la permission d'Allah, pour honorer l'intercesseur, et que pour une personne dont Allah agrée les actes. Puis, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, certes, ce sont les mécréants qui sont les vrais injustes. C'est-à-dire, ce jour-là, l'injustice, elle sera payée. L'injustice, elle peut être de plusieurs formes. L'injustice, c'est le fait de mettre une chose en dehors de sa place pour laquelle elle a été faite. Hors contexte, hors droit, de ne pas utiliser une chose en bon droit ou d'une mauvaise manière. Alors, utiliser un bien qu'Allah nous a donné pour faire le haram, pour faire l'illicite, pour pécher avec et faire des désobéissances, c'est de l'injustice. De même que de délaisser ce qu'Allah nous a autorisé pour prendre, pour transgresser et prendre ce qu'Allah n'a pas autorisé, c'est de l'injustice. Il y a une injustice encore plus grande que tout cela, c'est le fait de donner à Allah un associé.
alors que c'est lui qui nous a créés. C'est le fait de diriger l'adoration à une créature, comme toi, comme moi, comme nous, au lieu de la diriger vers le Créateur seul, subhanahu wa ta'ala. Ceci est la plus grande des injustices. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Luqman, quand il parle des conseils que Luqman donne à son fils et qui lui dit « Inna shirka la zulmun azim » Certes, le polythéisme est une injustice énorme. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Certes, les mécréants, ce sont eux qui sont les vrais injustes. » C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala les définit par l'injustice absolue, la plus grande injustice. Et il restreint ce terme d'injustice aux mécréants. Pourquoi ? Parce que c'est la plus grande et la plus grave des injustices de mécroire à Allah, de lui donner des associés, de diriger une adoration vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que cet autre soit un prophète, un ange, ou que cet autre soit une pierre, une étoile, un djinn, un shaitan, ou même des passions, ou l'argent, ou les femmes, ou quoi que ce soit qu'il a pris en divinité en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. En faisant cela, l'être humain a commis la plus grande des injustices, et les mécréants, ce sont eux les plus grands des injustes. En ayant nié Allah, tabaraka wa ta'ala, en lui ayant donné des associés dans son adoration, alors que c'est lui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala, ils ont commis par cela la plus grave et la plus grande des injustices. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Les mécréants, ce sont eux les injustes. Ce sont seulement eux les injustes. Ce sont seulement eux les vrais injustes. وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ